Dong Chiang a déjà fait ses preuves en Europe. Mais ce professeur chinois vient de recevoir une nouvelle récompense. Le spécialiste de littérature française et doyen du département de langue et littérature française à l'université de Pékin vient d'être élu correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Surtout connu pour ses traductions, Dong Chiang devient le premier chinois à être reçu dans cette académie dont la fondation remonte à plus de 200 ans. Je me sens vraiment très honoré parce que c'est une académie très très brillante qui regroupe les meilleurs esprits de la France et du monde entier dans le domaine des sciences sociales et humaines, a-t-il déclaré lors d'une interview donnée à la CCTV, la télévision centrale de Chine. Dong Chiang remplacera l'historien Jean-Louis Crémieux-Briac, décédé l'année dernière.